Coucou! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous expliquer comment je m'organise quand je pars en voyage. On commence tout de suite avec ma première astuce, c'est simplement de prévoir les choses en avance. Qu'est-ce que je prévois en avance? Déjà, si vous prenez un transport public comme le train ou l'avion, je vous conseille de prévoir vos tickets à l'avance parce que si vous achetez en avance, ça sera moins cher. Et évitez si possible de prendre l'avion quand même parce que pour une question écologique, niveau empreinte carbone, c'est pas top. Privilégiez plus le train que l'avion si c'est des voyages assez courts. Gardez l'avion pour les très très gros voyages si possible. Et donc si possible, prenez un mois d'avance quand vous achetez vos tickets. Bon là je vous fais la vidéo un peu tard pour vous dire ça, mais c'est important d'y penser. Et puis n'hésitez pas un peu à bidouiller entre les trains parce que par exemple, au lieu de faire du Liège-Paris, je me suis rendu compte au bout d'un moment que si je faisais Liège-Bruxelles puis Bruxelles-Paris, ça me revenait moins cher. Donc n'hésitez pas à chipoter si jamais ça vous revient trop cher. Sinon vous pouvez aussi partir en car ou en covoiturage pour les tarifs les moins chers. C'est à vous de voir. Aussi pensez à imprimer vos billets à l'avance, on ne sait jamais qu'il y a un problème d'imprimante ou quoi. Et à part si vous prenez la méthode QR code sur votre smartphone, donc là ça passe normalement, j'ai jamais fait mais je fonctionne toujours à l'ancienne vu que j'ai un vieux téléphone. Voilà. Pensez aussi à vos vêtements à l'avance pour savoir avec quoi vous allez partir pour pouvoir faire une lessive et pas vous retrouver à la dernière minute avec des vêtements que vous voulez prendre et qui sont sales. Et pensez aussi à recharger tous vos appareils. Moi j'ai mon ordinateur portable, mes batteries d'appareil photo, mon téléphone. Pensez à charger vos appareils avant de partir. Enfin, une fois que tout ça est fait à l'avance, on peut passer au côté pratique de faire la valise et de préparer tous ses bagages. Alors pour commencer, technique bien connue mais que moi j'utilise parce que je trouve ça bien pratique. De 1, on gagne beaucoup de place dans la valise en utilisant cette méthode, et de 2, on retrouve plus facilement ses vêtements parce qu'ils sont pas tous entassés les uns sur les autres, en tout cas moins entassés, c'est de les rouler en boule. Et franchement ça marche trop bien, genre j'ai mon jean là, puis un autre là, mais voilà, en gros le principe c'est de rouler ses vêtements. Il y a celui-là qui est pas roulé parce que je l'ai mis par dessus, mais en gros voilà, même mes robes sont roulées, tout est roulé quasiment dans ma valise, et c'est vraiment efficace. En plus, si comme moi vous avez une valise à roulettes avec des barres au fond, il y a les barres métalliques qui passent au fond de la valise et du coup c'est plus facile de caser entre les barres aussi. Ensuite, ce que je fais dans ma valise, je pense que beaucoup de gens font ça, c'est tout ce qui est chargeur, toutes les choses un peu fragiles comme ça, bah, je les cale entre les vêtements. Comme ça, elles sont bien en sécurité. Et je fais ça vraiment pour une majorité de mes chargeurs. Après, il y en a certains que je glisse dans mon sac à dos parce que je pars toujours avec un sac à dos en plus. Et là, j'ai mis pratiquement tous mes vêtements d'un côté. Et puis de l'autre côté, j'avais mon trépied parce que j'étais partie avec mon trépied. Mais là, il est actuellement sous l'appareil en train de filmer. J'ai mon parapluie, ma trousse de toilette. Le parapluie, pensez à le prendre avec vous dans votre sac à dos si jamais il pleut. Moi, ce que j'ai fait pour l'aller, j'ai pris le parapluie dans mon sac parce qu'il prévoyait de la pluie, et j'ai bien fait parce que je me suis chopé la pluie. Mais pour le retour, c'était pas prévu, donc j'ai glissé dans ma valise pour moins m'encombrer. Et ce que je fais toujours aussi, mes chaussures, je les mets dans des sacs plastiques pour une question d'hygiène parce que j'aime pas que ça touche le reste de mes affaires, et je garde toujours les mêmes sacs plastiques que je laisse dans mes valises pour les prochaines fois, comme ça, ça m'évite de jeter et je réutilise à chaque fois. Et point important, je me suis déjà fait avoir avec ça, pensez à caler au maximum les choses les plus lourdes côté roulette si vous avez une valise à roulette, parce que sinon ça peut genre faire balancer la valise et la déstabiliser beaucoup, alors que si les poids les plus lourds sont du côté des roulettes, elle l'adhérera mieux au sol et ce sera beaucoup plus facile de voyager avec. Et la technique de rouler les vêtements m'a déjà été super utile pour embarquer des choses qui auraient pu s'abîmer dans la valise, mais de cette façon ne s'est pas abîmée du tout. Je vous montre un exemple. Il m'est arrivé de voyager avec ce chapeau dans ma valise parce que j'avais pas envie de le garder sur ma tête pendant le voyage. Et en roulant les vêtements, je vais pas le remplir complètement mais c'est pour vous donner l'idée, en gros j'avais roulé mes vêtements et glissé dans le chapeau comme ça. Bref, j'avais rempli le creux du chapeau comme ça et après j'avais posé pareil tous mes vêtements au-dessus. Et du coup il avait bien gardé sa forme dans la valise, c'était nickel. Les joueurs de Tetris, vous devez être super doux en valise parce que la valise c'est vraiment du Tetris parfois. Ensuite pour ma trousse de toilette, pareil que pour les chaussures, je garde toujours des sacs plastiques dedans et je réutilise à chaque fois pour remettre mes shampoings et tout ça pour être sûr que ça coule pas dans la trousse. Et pour ma brosse à dents, ce que j'ai fait, j'ai acheté une bête trousse pour les stylos et les crayons. Et en fait je trouve ça bien parce que j'aime pas l'idée que ma brosse à dents soit enfermée dans du plastique ou quoi, parce que je me dis que niveau prolifération de bactéries ça doit vraiment pas être top.
Et que dans une trousse en tissu comme celle-ci, elle reste quand même aérée et elle peut sécher si jamais elle est encore humide. Et en plus, c'est pratique parce que vu qu'il y a deux pochettes, donc j'ai un côté où je mets ma brosse à dents et mon dentifrice, et de l'autre, j'y glisse toutes les petites choses du genre pince à épiler, des petites pinces pour les cheveux, un élastique, ce genre de choses quoi. Coupe ongle, enfin voilà, tout ça. Ce que j'aime bien emmener en voyage aussi, si vous aimez vous balader et faire des petits pique-niques et tout ça, il existe des mini sacs isothermes comme ça, avec et dedans il y a des petits glaçons et une boîte pour y glisser par exemple des morceaux de pastèque, des morceaux de concombre qui restent bien au frais. Et je suis super contente à chaque fois de pouvoir les manger en promenade, c'est trop cool. Ensuite, sinon, pour les personnes qui portent des soutiens-gorge, moi je n'en porte plus, si vous voulez en savoir plus, c'est sur cette vidéo. Mais quand j'en portais, en fait, j'utilisais ceci pour ne pas abîmer la coque de mes soutiens-gorge. Si vous tenez à votre lingerie, ça peut être super utile. Bon, ça prend un petit peu de place quand même, mais vraiment, ça les garde hyper nickel, quoi. Après, je pense que... Je sais pas s'il y en a pour les plus grandes tailles, moi j'ai des seins assez petits et ça rentrait bien dedans. Après les grandes tailles, je sais pas si ça passe. Mais en gros c'est juste une boîte qui garde la forme comme ceci. Bref, elle m'a bien servi. Et ce que j'embarque aussi toujours avec moi, c'est des sacs de lavage. Parce que j'ai des vêtements délicats et que comme je fais des lessives quand je suis pas chez moi, bah je les embarque avec moi. Sinon pour voyager, bien sûr, prenez une tenue dans laquelle vous vous sentez confortable, c'est super important, surtout si vous avez des heures et des heures de voyage. Moi ce que je fais quand il fait bon, la plupart du temps je suis avec mon petit short en jean, un t-shirt, mes chaussures de rando, comme ça je suis sûre que je peux marcher sans souci, porter ma valise et tout sans me prendre les pieds, enfin... Avec des sandales, c'est vraiment pas pratique, donc même si j'aime bien avoir les pieds plutôt à l'air, quand je voyage, je mets quand même mes chaussures de rando, qui sont ici d'ailleurs. Yeah! Alors, dans mon sac à dos, j'ai bien sûr mes gourdes. Quand c'est trop plein, je mets mon mousqueton ici que j'accroche à ma ceinture. Dernièrement, j'ai accroché plutôt à ma banane, en fait. Donc, ceinture, banane, tout ce qui passe. Donc, j'ai mes gourdes. Je mets toujours, prévoir de la nourriture. Bien sûr, ne partez pas sans rien. À part si vous vous achetez à manger pendant votre voyage, mais on n'est jamais à l'abri quand même d'une panne de train ou quoi que ce soit, où vous restez bloqué. C'est toujours bien d'avoir au moins quelque chose dans son sac. Et là, bien sûr, en temps de Covid, j'ai mes stocks de masques. Et ce que j'ai fait pour m'y retrouver, j'ai fait un sachet avec les masques sales et un sachet avec les masques propres. Et comme ça, je m'y retrouve avec mon gel hydroalcoolique. Enfin voilà, sinon moi je range ma sacoche d'appareil photo au fond de mon sac à dos. Parce que voilà, je veux pas laisser ce genre de choses dans ma valise. Je veux toujours l'avoir avec moi. Et petite astuce qui me rassure, je sais pas si ça sert à grand chose, parce que les gens qui veulent vraiment voler, parfois ils ont des couteaux et ils découpent les sacs et tout. Mais moi ce qui me rassure, c'est de mettre des cadenas sur mes affaires. Donc je mets toujours un petit cadenas sur mon sac à dos, sauf que je le planque de façon à ce qu'on ne le voit pas. Je mets le cadenas comme ça et puis je le rentre à l'intérieur et puis je referme. Et comme ça, ni vu ni connu, personne ne sait qu'il y a un cadenas dessus. Mais ça me rassure en fait. Par contre, du coup c'est moins pratique quand on veut aller fouiller dans le sac, il faut ouvrir le cadenas. Mais voilà, moi ça me rassure. Donc je fais ça et j'ai toujours un cadenas sur ma valise aussi. Ensuite, n'oubliez pas de prendre de quoi vous occuper si vous avez un long voyage. Parfois dans les trains, on peut se connecter au Wi-Fi, donc si vous avez un ordinateur portable ou un smartphone ou quoi, pour vous connecter, ça peut faire passer un peu le temps. Moi, à mon dernier voyage, je me suis connectée avec mon PC portable. Sinon, j'aime bien, pour voyager, prendre quand même un peu de lecture. La dernière fois, j'ai pris un magazine avec moi. Ça, c'est le magazine de Fabien Olicard. Pour les curieux. Et quand je prends un livre, j'ai toujours peur de l'abîmer. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets toujours des feuilles de papier autour. Donc voilà, pour vous donner une meilleure idée de comment je m'y prends pour mettre une feuille autour d'un livre. En fait, c'est plus facile quand le livre est plus petit, évidemment. Là, il est un peu gros, du coup, je suis obligée d'utiliser deux feuilles. Mais en gros, je plie un bord. C'est le bord que je vais glisser dans la couverture, comme ceci. Ensuite... Je fais le tour du livre et étant donné que c'est trop court, je rajoute une deuxième feuille que je viens coller. Comme ceci. Et bien sûr, plier, donc ça arrive ici. Je vais replier un bord. Vous voyez, donc je plie un peu plus loin. Pour découper facilement, je plie dans les deux sens, j'appuie bien avec mes ongles. Comme ça, je peux couper sans ciseaux plus facilement. Hop. Hop. Voilà.
Et voilà. Ah aussi, pour m'occuper, je prends toujours des musiques sur mon téléphone portable aussi. Ça aussi, il vaut mieux les prévoir à l'avance. Sauf si vous avez déjà des stocks, mais moi j'aime bien toujours mettre mes petites nouveautés avant de partir en voyage, comme ça je suis sûre d'avoir tout ce que je veux à écouter. Et dernière astuce utile, c'est de se faire des listes. Je me prends toujours un petit papier pour me faire une liste des choses de dernière minute à embarquer, du genre ma brosse à dents, mon peigne, enfin ce genre de choses que je sais que je vais utiliser le matin avant de partir et que je risque d'oublier. Je me fais toujours une liste comme ça, j'oublie rien du tout. Mon téléphone, important. Enfin voilà en gros comment je m'organise quand je voyage. Et je vais pas vous dire quoi prendre dans votre valise parce que ça vous regarde. Pensez juste niveau vêtements à prendre en fonction de la météo et de penser qu'il peut toujours faire froid même quand il fait chaud et d'avoir toujours au moins un pull avec vous. Et pour les personnes réglées, n'oubliez pas de partir avec vos protections hygiéniques. Moi c'est les culottes de règles et des serviettes parce que j'ai pas assez de culottes de règles pour mon cycle malheureusement. Enfin voilà comment moi je m'organise, j'espère que ça vous aura servi au moins un petit peu, au moins à vous remettre les idées claires si vous voyagez et à ne rien oublier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me laisser un petit pouce positif, des commentaires. Si vous partez en vacances, dites-moi quoi, tiens, je serais curieuse de savoir. Et de vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Il y a une vidéo chaque semaine, tous les vendredis à 17h. Voilà, à bientôt, salut !